Et on trouve du taf en bas de nos blocs. Un avenir tout sale, tout comme l'époque. Toujours serein quand y'a les portes. Tout dans le garçon, un dans les poches. Pas les couilles de rapper comme eux. Veulent déjà tous rapper comme moi. Tous les jours, c'est celui de la paix. Et ton complet, tu fais dans le monde. On est mal aimé, maudit. Un petit point bonus. Ménage fake. Non, ces derniers jours, tu laves la salle de bain. La salle de bain, il l'a lavée alors qu'elle était vraiment dégueulasse. Ouais, alors que c'est même pas à cause de lui. Ouais. Non, tu l'as pas lavé? Non, c'est la pomme de ménage. Après, non. Pour sa défense, c'est pas lui qui l'a dégueulasse. Tout est. Bah, nique-toi. Attends, 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 parce que là, il y en a un qui rigole. Il nous a niqué la salle de bain. C'est à ton tour. Voilà! Ouais, non! J'ai fait des vrais pommes parce que tu crois pas, yo! T'es encore plus drôle que. Quoi? Quoi? Oh. Ah! Ah! Qui s'est passé quoi? Quoi? C'est moi! Ouais! Lucky Luke! Qui a fait ça? C'est moi! C'est toi, wesh! Lucky Luke! Oh là là! Non, t'es. Non, mais quoi? La vie de ma mère, eh, dites-vous! Quoi? Lucky Luke! J'en ai vu des gens mourir, mais comme ça, c'était un peu. Ça, 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 ça m'a. Écoute, Bichou, on a vu que tu adorais les prostituées. Alors, on a mis ta daronne dans le coffre. Non, je suis méchant, c'est pas bien. Ta pute de merde. Voilà, je me dis, ouais, c'est le petit ref. Ça, il pue l'amour, il est là, ouais, comme disait Fake, il vomit de l'amour tout le temps, il est là. T'es sûr, ça va, ouais, t'es bizarre, tu sais, il s'inquiète tout le temps et tout, ouais, genre, ouais, tout ouais. Temps. Alors que des fois, t'es là, tu vas bien, juste t'es tranquille, et il ça est là en fait, mode. Ça va, Fake. Ouais, ça t'es va, sûr, ça va et tout, donc franchement, non, par rapport à ça, 10. Arrête, frère. C'est... Quoi? Tu pleures là, frère? Arrête de. Arrête, voilà. Mais vous voyez pourquoi c'est terrible, frère? Il est trop mignon, mec. Il essaie de nous gratter des notes, ce bâtard. Hey, il a gratté des quoi? Allez, Bichou, arrête de, arrête de pleurer. Mais non, ouais, je vais pas te pleurer, qu'est-ce que vous avez, wesh? On dirait que c'est la fin de la chienne là, vous serez arrêté, wesh. On est désolé. On est désolé. C'est bon? Ouais. Ok. Ménage. Ménage, je vais te dire. Non, non, mais je suis sensible, frère, c'est juste ça. Écoute, ménage, frère. On est là, on est là. Si les otages, barrez-vous. On vous suit, viens, barrez-vous. Rien, c'est à vous de voir. Préfet, c'est comment là? Préfet, on est plus que là, c'est vraiment. On est en train de les braquer là. Otage. Non, non, ils ont relâché des otages. Remontez dans les côtiers, on ils les traque. Ils ont pas relâché Pipas. Il est où Pipas? Encore là, il le met dans le coffre, il le met dans le coffre. Pipas, viens là. Pipas, viens là. Ils comprennent. Viens là. Par à côté des potes, par... on a des gars à toi, on a des gars à toi, bouge. D'accord, 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 tu les lâches pas, la vie de maman ne se pas en coup. C'est bon. Dès qu'il y en a un dos, préparez-le, prenez-le dans l'otage. Yo, hein, calibre au bar, calibré dans l'auto, je suis comme toi, je me pose des questions. Quand je vais à la moto, j'ai des amis, j'ai des frères, non, j'ai pas de photos. Y'a, je vendais de la C, aujourd'hui, je prends des photos. Car il vieille, puis je paye le walou. Car aide à toi, tu payes à nous. Non, je te baisse. Ouais, je me fous de ma gueule en plus, celle. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Attends, je te laisse commencer. Je vais commencer par la sociabilité. Tu te réveilles, tu viens me voir. Tu vas te coucher, tu viens me voir. À chaque fois, tu me proposes si je veux baiser, si tu veux que je te suce. Non, sérieux, wesh. C'est vraiment la vérité, la vie de ma mère, je mens pas. La vie, quoi? De ma mère, la vie de ma mère, je mens pas. Et c'est pour ça. En fait, tous les soirs, je le teste, voir si il a une attirance vers les hommes. Moi, personnellement, je n'en ai pas, tu vois. Mais parce que on n'a jamais vu une femme et une athéose dans la même pièce. Donc, je me pose des questions. T'as raison, frère. Et c'est pour ça que je te remercie, parce que moi-même, moi, je, grâce à ça, je me rends compte à quel point j'aime les femmes. Et c'est pour ça qu'en sociabilité, je te mettrai 10.
parce que même on, à côté de ça, on est tout le temps ensemble. Mais en termes de ménage. Arrête! Je suis en train de rire. Arrête! C'est cabron. Et vas-y, on l'appelait avec nous parce que moi j'allais faire une custom justement. Et c'est là où je leur ai dit, bah tu sais, c'était le truc du moins 50%. Ramon, t'es où? Je leur ai dit, ouais, c'est avec Neto. C'était le moins 50%. Il a fait voir, je t'ai pas dit avec qui. Puta, elle veut plus que je suis en train de rouler là. Je la baise encore. Je crois que c'est vrai en fait. Vers Agent Imo, hôpital là. Ouais, mais il t'a pas fait un moins 50% finalement. Mais non, au final, il faut pas qu'il m'insulte des puta aussi, c'est moi. Tu viens de me donner deux endroits à l'opposé de la ville, au parking au-dessus de la. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Les anciennes, parce que les anciennes. Swap-moi, oh, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Allô? C'est pas Fax Max, mais swap-moi. Qu'est-ce qu'il veut? Je mérite mieux. Ça, je mérite mieux. Je mérite vraiment mieux. En termes de communauté, je mérite mieux. Allô Draka. Allô ouais, Draka. Ouais. Ça va ou quoi? Ça va, petit bonjour à tout le stream, bonjour les viewers. Tu casses à moi parce que moi je suis là et vous êtes dans le chat. Cheh. Ah putain. Soirée moins 21. Vas-y, c'est merde mec hein. Vas-y. Force à toi. Ah. Vraiment? Bah oui. Mais tu sais que moi une meuf muette, une meuf muette, mec, je sors banal avec hein. Ça me pose aucun problème. Moi une meuf muette, je lui apprends à parler, tu vois. Mais non, mais tu peux pas. Bah si. Mais non, mec, tu peux pas. Mais mec, bien sûr que si, tu peux. Mais non, tu peux vraiment, tu peux vraiment pas, mec. Ah mais muette genre, ah mais pas une meuf qui parle pas beaucoup, une meuf qui parle pas du tout. Une meuf muette, mec, tu connais, ah, tu okay. Connais l'handicap de quelqu'un qui peut pas parler. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, une meuf muette, genre. Non, je sais qu'on est on est tous plutôt différents par rapport à ça, mais moi, une meuf qui a un handicap, ça me poserait pas de problème. Si elle est instable psychologiquement, ça me poserait pas de problème. Si elle est ah ouais muette, ouais, si elle est muette, ça me dérangerait pas. Sourde non plus, je pense pas. Et si, peut-être même fauteuil roulant, tu sais que peut-être même je pourrais en vrai. Hein. Mais sourde, comment tu communiques? J'apprends le langage des signes. T'apprends le langage des signes? Ouais. Aveugle, ouais, je pense que je pourrais aussi. Aveugle, c'est beaucoup plus complexe en vrai. Aveugle, c'est plus complexe. Imagine un jour elle retrouve la vue et en fait elle te trouve trop moche. Non, impossible. Non, c'est pas une question de cœur les mecs, c'est une question de... En fait, je sais pas, il y a beaucoup de contradictions dans mon comportement, tu vois. Je sais pas si, en fait, je veux une fille totalement indépendante. Ou si je veux une fille dépendante. T'es le patron, et nous on croit pas trop. À la chicha sous ballon, tu te pars pour ta gamine. Tu racontes que des